Merci, Julien. S'il te plaît, pas de merci. Tu sais que je suis pas d'accord. Tu peux pas faire semblant juste avant que je parte? Ouais. Je m'excuse. Bon. Tout est prêt. Non, attends. Peux-tu ouvrir la télé, s'il te plaît? Tu as un poste en particulier? Non, non, c'est bon. C'est sa voix. J'aime entendre sa voix. Tu m'avais pas dit ça? Bon, OK, on peut y aller, là. Merci, Julien. Non. Je m'excuse. Non. Mais voyons. Je peux pas, Anne. Je peux pas faire ça. Je suis pas capable. Tu fais ça souvent, me semble, non? Oui, mais ils sont en phase terminale. C'est légal à l'hôpital. C'est pas comme là. Ça... C'est du meurtre, ça. Tu m'avais promis. Je peux pas, non. T'es pas mourante. Oh, parce que je suis pas légume, parce que je veux décider de ce que je veux faire avec ma vie, parce que je veux mourir avec un peu de dignité, ça, c'est illégal. Écoute, Anne. Je comprends ça. Je sais ce que tu ressens. Il te reste tellement de moi à vivre heureuse. Tu peux pas faire ça. Va voir tes petits-enfants, passe du temps avec eux. Profite-en encore un peu. Ça va être fini après. Non, Julien, je suis pas heureuse. Puis je vais pas vivre heureuse. On a déjà réglé ce sujet-là, me semble. Non, je le ferai pas. Julien, oblige-moi pas. Je m'en crée, San. Dis-le, dis ce que tu veux. Détruis mon mariage, ça peut te faire plaisir. Mais ton chantage me fera plus changer d'idée. Je ferai pas point. Va-t'en. Je t'aime, Anne. C'est pour ça que je dis ça. Va-t'en, Chris! Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, Chris! Va-t'en! Va-t'en!